Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sissi, accompagné du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, et du chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar. Le président a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs des forces armées à Madinat Nasr. Ceci coïncide avec les célébrations de l'Égypte et des forces armées de la 42e anniversaire, du 42e anniversaire de la libération du Sinaï. Le chef de l'État s'est également rendu sur la tombe du défunt président Mohamed Anwar el-Sadat, où il a déposé une gerbe de fleurs et a lu Al-Fatiha en l'honneur de son âme. Sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sissi, commandant suprême des forces armées, le tournoi arabe militaire d'équitation pour le saut d'obstacles et la voltige équestre organisée par les forces armées commence aujourd'hui, 24 avril, et se déroule jusqu'au 27 avril au club équestre de la cité olympique égyptienne dans la nouvelle capitale administrative. 11 pays arabes participent au tournoi, à savoir l'Égypte, la Libye, le Qatar, l'Algérie, le Koweït, la Tunisie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes unis. Sarah al-Maghrabi. L'équitation est en train de devenir une industrie conséquente. Elle attire davantage et ouvre des horizons aux investisseurs. Ce sport a réussi à devenir un véritable marché et génère beaucoup d'emplois. L'équitation a toujours fait partie de l'histoire arabe. Le calife Omar ibn al-Khattab conseillait aux familles d'apprendre à leur enfant. Une industrie conséquente. Elle attire davantage des capitaux et ouvre des horizons aux investisseurs. Ce sport a réussi à devenir un véritable marché et génère beaucoup d'emplois. L'équitation a toujours fait partie de l'histoire arabe. Le calife Omar ibn al-Khattab conseillait aux familles d'apprendre à leurs enfants la natation, le tir et l'équitation. Mais l'équitation en tant que sort date du temps de Muhammad Ali. À l'époque, lui et son fils Ibrahim Pacha avait gagné la guerre contre les Wahhabites. Pour la première fois, il ramène des purs sang arabes. Ce sport fut ensuite parrainé par la monarchie égyptienne et les nobles. Aujourd'hui, avec une trentaine de clubs qui font apprendre l'équitation, le marché prospère, surtout dans les grandes villes comme le Caire, Alexandrie et Charqiya. Mais c'est à Giza, au quartier des pyramides, que l'on trouve le plus de centres équestres. Les tenues d'équitation ont aussi donné naissance à un véritable marché. À chaque compétition, les commerçants plantent leurs parasols et étalent leurs articles. Le sport équestre est l'ensemble des disciplines équestres sportives qui ont pour point commun l'utilisation des capacités athlétiques et esthétiques du cheval. Ces disciplines donnent lieu à des compétitions sportives concours. La formation et la pratique des sports équestres se déroulent généralement dans un centre équestre. Les courses de chevaux se misent à des paris mutuels et dont la finalité première est de remporter une course ne font pas partie des sports équestres, mais constituent une catégorie à part, le sport hippique. Trois disciplines relevant des sports équestres sont des sports olympiques, le dressage, le concours complet d'équitation et le saut d'obstacles. L'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sissi, a réalisé un grand saut en ce qui concerne les infrastructures sportives. La cité des sports, dont le siège est dans la nouvelle capitale administrative, représente un essor sans précédent du sport égyptien grâce à ses capacités à accueillir les événements sportifs internationaux les plus importants. Le point.
La ville olympique internationale est considérée comme la plus grande ville olympique intégrée d'Égypte. Elle est située dans la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sissi et les dirigeants politiques accordent un intérêt majeur au développement des infrastructures sportives et à la jeunesse conformément aux normes internationales les plus élevées, afin que la ville soit apte parfaitement à accueillir les événements et les championnats mondiaux et africains. La ville olympique des sports enferme une zone commerciale, un hôpital spécialisé en médecine sportive, des stades ouverts, un court de tennis principal, un complexe aquatique, un club d'équitation, un court de squash, un théâtre romain, une salle d'une capacité de 15 000 spectateurs, une salle d'une capacité de 8 000 spectateurs, des terrains d'entraînement, un stade d'une capacité de 90 000 spectateurs, des stands de tir à une main et à deux mains, des stands de tir à l'arc et à la flèche, une zone administrative, des salles de cérémonie, un musée du sport, des stands de tir à cartouche, des stands de tir électronique et des salles polyvalentes. Ce complexe ultramoderne est situé à 45 km à l'est du Caire. La cité olympique internationale égyptienne est l'une des arènes sportives les plus importantes du Moyen-Orient, avec ses stades, ses salles couvertes et ses installations de services médicaux et hôteliers. Elle a une superficie de 92 faidans, soit l'équivalent de 386 000 m², dont 33 000 de bâtiments. Le nouveau stade est doté d'une capacité d'accueil de 90 000 places et d'un complexe multisport parmi les plus vastes du Moyen-Orient. Ce complexe comprend également un grand court de tennis de 3 500 places et deux centres aquatiques de 5 000 places chacun. La cité olympique comprend aussi un bâtiment social, des champs de tir, un complexe équestre, des terrains d'entraînement et un centre de médecine du sport. Elle renferme enfin 10 terrains de football et 5 de volleyball, de basketball, de beach soccer et de hockey. من هنا بدأت حكاية ناس عملوا حضارة تاريخ كبير للإنسانية أساس وادي النهاردة بشوق بيبصوا لينا فوق شوفوا البلد إزاي عظيمة وكل يوم إنجاز فاتحين بابنا لكل أحبابنا أهلا بالفرسان شرق وغرب أوروبي وعربي ناس من كل مكان مش مهم مين اللي ياخد البطولة دي عيش مصر حالة وروح وناس معدنها ليك بيبان الكل جاي مبسوط وكل شيء مظبوط أهلا وسهلا بيك في مصر شربت أحلى مكان فاتحين بابنا لكل أحبابنا أهلا بالفرسان شرق وغرب أوروبي وعربي ناس من كل مكان مش مهم مين اللي ياخد البطولة دي Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.